بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، تو غاندي تو إلوج أبوتيني أ الله سبحانه وتعالى. Lui seul nous adorer, lui seul nous demande aide, lui seul nous demande secours. Le témoigner que Muhammad, dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dernier messager, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il clarifiait tout, ban l'aude, en entier, dans le Coran, afin que nous, un intelligent, lui prend tout, avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, meilleure créature qui fin vivre le dunya, afin qu'il nous gagne comme une demeure, une place permanente dans le paradis, inshallah. Chers frères et sœurs, ça quelque chose qu'on appelle tradition, routine là, il ne faudrait pas qu'il y règne tout le temps dans ça, l'aspect qu'on appelle ibadat. Jamais on me pose une question, mais qui fait au persisal? Qui raison on quitte tout travail, on vient là? Quel objectif cela finit faire sur l'ouvrage bonheur, il finit lié sur la kahaf, il a envie d'une jumra? Qui raison? Quel objectif? Qui résultat au piatan à l'arrière présence pour accomplir sur la jumra? Avant qu'il accomplisse sur la jumra, 30 minutes minimum au persisal, pour écouter un dimoun, cause, bonne parole, ce qui est dans le Coran avec ce qui est dans le Hadith. Les bons qui nous renouvelaient, ça, l'objectif atteindre Jum'a chaque semaine. Les pareils, comment? Quand arrive le servicing de Moloto, je pas gagné droit à réconcilier rouler. Pour y avoir des dégâts dans mon terre. Je besoin d'un mécanicien pour sens de l'huile. Checker si papa est bon ou bien inusé.
Pareil comme mon potable, quand arrive à soi, au besoin, mettre dans chose. Revitalise sa potable. Jum'a, écoute khutba zo Jum'a, lit comme ça même, ou plus. Faudrait pas qu'il vienne ou assise la cause et toi, comment il arrive, venir, nous dit, bouté, nous faire Jum'a, nous faire namaz après moi aller. L'importance, mon quitte tout, pareil comme Allah dit, Ya yuhalladina amanu, idan odi ali salat mi yawmi Jum'a, fasa'u ila zikrillah. Et ben, qui n'a iman, quand il appelle zo Jum'a, quitte tout, précipité vers Jum'a, accomplir salat. Après, qu'il m'a fait? Ensuite, mon répéopillé. Qui m'a gagné de Jum'a là? Ça qui tient. Ça qui est important. Il ne faudrait pas qu'il, quand nous bouquet gagné dans nos khutbas, si le temps permet nous, pour nous avoir trois catégories d'immunes, il ne faudrait pas qu'il nous vienne parmi des là-dedans. Nous restons tout le temps parmi ça, en qui Allah Ta'ala fait mentionner. Dit grave. Qui ça coûte mon vin là, je ne pas accueillir non rien. Ou si on a mon accueillir, je loue pour partager avec mon camarade ou ma famille dans la case. Et Simon Portazli, lui, comme s'il dirait, de l'eau le bret de sens, guette, si tu veux mettre en pratique, toi, tu mets en pratique. Khutba, jour du Jum'a, parole, ce qu'il peut dire dans le Coran ou le Hadith. Il peut motiver ou pour qui ou capable de tirer les sons à une semaine qui n'allait là. Mon raté qui te faras. Mon faire sonnat. Mon accomplir tout mon ban faras qui m'a besoin vis-à-vis de ma famille. Mon gagner le temps pour lire le Coran. Mon mettre la main dans le poste pour dépenser. Si en cas pas de récit, parole qui vous peut écouter dans le khutba, ça motive ou pour sa semaine qui peut aller là. Donc, il y a une façon pour vous mettre, remettre ou dans chose dans le khutba Jum'a. Parce qu'il y a aussi la vie qui est dunia puis aller là, des gens trop attachés avec dunia, qu'il y a oublié l'importance sur l'objectif de la terre. Pareil comme un parmi les savants qui appelle Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, les dire. Allah Ta'ala pas de mettre toi l'eau la terre pour toi rendre ça tout. Allah Ta'ala pas de mettre toi l'eau la terre pour te moyer tes enfants. Allah Ta'ala pas de mettre toi l'eau la terre pour te nana pour te boire. Allah Ta'ala pas de mettre toi l'eau la terre pour te gagner tranquillité. L'in met toi l'eau la terre wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Ou pas fin crédine et ins, et din, sauf plutôt ado ou moi. Si ton récit comprend quantité rente, qui quantité te pour fatiguer dans la dunia là, tu es là pour quitter. Si ton récit comprend ça, les là te pour servir, te le te, te casse, te laisse, te manger, te boire, pour remercier Allah afin qu'il te gagne paradis. Servir le te là pour venir manger. Servir ton casse pour dépenses dans le chemin Allah. Servir l'ins qui nous donne toi pour couvrir ton écho convenablement. Là, il y a un moyen pour te gagner paradis. Mais si tu penses que dunia là, c'est tout pour toi, barbade, chers frères et sœurs. Si tu as assez au dunia à ce niveau-là, khutba ne peut faire l'effet, parole Coran, parole Hadith ne peut faire l'effet, c'est dangereux. Et quand nous avons un dimonde, encore, si c'est pour comparaison avant qu'on y rentre dans nos sujets, comment dit moun la li kin, li intéressé, li motivé? Si docteur insiste et li connaît bay, ou pe gen trace diabète, be, ou besoin faire un petit peu l'exercice. Li mange dans l'exercice là, même s'il y en a pour lever grand matin. Li mange dans l'exercice là, même s'il y en a pour faire li tantôt. Qui fait pour bien être sur la santé? Chers frères et sœurs, ça livre ce qu'il nous appelle le Coran là. Si les parents donnent nous l'équerre, pas tout malade. Les pas juste lecture, les compréhensions. Les pas juste compréhension, les réfléchir dans nous la vie. Dans les histoires qui Allah fait mentionner dans le passé pour nous tirer les sons, capacité qui Allah Ta'ala a pour montrer qu'il nous besoin toi, oh Allah, pour nous-mêmes, jamais nous pourrons réussir dans sa dunia là. Nous besoin toi. Comprends ça qui chose là. Coran, lit tout pour moi dans ma vie. Non plus. Quand nous avons des informations, on trouve des gens là attachés à l'information. On trouve des gens là attachés à ce qu'ils appellent fitna potable. Et on trouve des gens au fur et à mesure que l'éducation peut aller, on trouve problème avec nouveau la loi qui peut venir, mixité, garçon, fille, problème peut les verser.
Ou trouve des enfants intéressés pour apprendre, problème levé, fitna potable. Pas tout problème. Dunya la remplie à problème. Qui a besoin de faire? Tourne vers un seul livre qui s'appelle Coran. Et en dernier, vous pensez que pour gagner tranquillité, l'autre dunya est dans l'akhirat à travers prendre un hôtel, à faire un petit outing. Non, chers frères et sœurs. Là aussi, vous êtes plus fatigué. Vous finissez comme tout bagage, vous mettez dans le taux, vous allez là-bas, vous mettez nat, vous mettez 16, tout, quand vous finissez, vous faites. Fini, nazé, fini tout là, fini, chaos tout. Qui vous fait? Ramassez à ce où tous les enfants-là, ils finissent des mimos dans le tour, ils finissent avec un sommeil, comme arrive la case où on prend, où met les enfants là au lili, tient un par un dans le tour, mais là-bas, mais oublie fatigué. Donc on a le soi-disant relax. Relax au bord de la mer, oublie fatigué. Vrai relax, vraie tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah, bi zikrillahi tatma'innul qulub. Prends conscience, c'est quand pense à Allah qui te gagne tranquillité. Ce n'est pas quand tu fais progrès, pas tant, tu gagnes casse beaucoup qui te peut faire progrès, tu gagnes tranquillité, l'équerre. Tu l'équerre plus fatigué, gagne tout ça casse là, voler pour venir à toi. Tu gagnes plus ta clif. Comprends ça, chers frères et sœurs. Mon vrai happiness trouve dans le livre Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, il trouve dans le hadith Jibril, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait mention. Après qui Jibril pose des questions concernant cinq piliers de l'islam, il dit, c'est quoi Iman? Il dit, Iman, c'est croire en Allah. Croire dans ce ban 11. Croire dans ce ban livre. Livre, c'est parmi en le Coran, en l'Injil, en la Taurat, en la Zabour, en la Lut. Mais dans le Coran, ce qui fin descend à nous, ummat le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-dedans qui nous amène l'Iman, c'est ça même qui nous besoin pour en lire dans nous la vie, qu'il y soit lecture, qu'il y soit écoute Coran là, qu'il y soit nous prend en lire, nous réflecter dans nous la vie de tous les jours. C'est là qui vous trouve tranquillité. C'est là qui vous gagne la paix dans la vie. Et d'ailleurs, quand nous guettons ce Coran là, d'accord, ça qui nous dit, si parole, Coran et Hadith pas fait l'effet, mais ma présence dans ma zid tous les jours, qui fait et vini. Il soit accompli en namaz, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Sad, ayat 29. Kitabun, un livre, anzalnahu, nous fin révéli, ilayka, ô Muhammad, à toi, mubarakun. Mubarakun veut dire, il rempli à tout quelque chose qui appelle du bien. Ou malade, lire le Coran. Ou pour pousser des mots dans la case, lire le Coran. Ou mot d'une game over, lire le Coran. Aux enfants, pour boire ou dire ça, lire le Coran. Au business, pour penser, lire le Coran. Mais il faudrait que quand nous lire le Coran, là, nous l'écrire, nous la langue, tout, lire ensemble le Coran, là, c'est là qu'il peut aller faire. Et souvent, qui nous pose nous question, quand est-ce qu'il m'a lire mon Coran, dernière fois, après qu'il m'a terminé le Coran pour Ramadan? Si vous convaincu que dans le Coran, Allah Ta'ala peut dire, l'indescend un livre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un livre Mubarak, mais veut dire, ou pas encore comprendre qui appelle Mubarak, les rempli en connaissance qui genuine, les rempli en tout ban quelque chose qui positif, et il y a des histoires qui pas fausse, tout vrai, afin qu'il y ait un intelligent qui tient les sons. Mais qui livre moi intéresse moi plus? Dans qui livre mon poil perdu les temps plus? Dans qui book mon poil perdu les temps plus? Facebook? Pose-vous la question avant même qu'il vous comprenne valer le Coran, c'est faudrait qu'il vous connaisse ou comprenne ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Qui raison il descend ce Coran là? Allah subhanahu wa ta'ala dit liyadabbaru ayati pour te méditer, pour te réfléchir. Pour toi, si tu te penses, tu écoutes, et le Coran, Allah qui peut causer à moi là. Il peut adresser moi, me concerner là-dedans. Comme ça, je peux aller le temps pour que tu paroles, ce qu'Allah peut adresser à moi. Pour tout qui chose, je peux aller le temps. Et Amen, Iman, dans le Coran, il trouve parmi Iman et Mu'min. Qui m'a fait à lui? Juste Amen, Iman, God, lui dans la toile vélo là-haut. Ça, en général, valeur. Coran. Quand nous avons une surah à ce qui quantité de leçons il y a dans sa surah là,
que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui fait connaître concernant une surah qui a différents noms. Une surah, si je ne lis pas dans mon namaz, namaz là invalide. Une surah qui minimum 17 fois par jour m'a obligé de lire, m'a période aide avec Allah, m'a demandé à la supplication là-dedans. Une surah qui jamais fin descend, qu'il y soit dans Injil, qu'il y soit dans Taurat, dans n'importe quel livre qui fin révélé avant, même dans le Coran, puis dans les autres surahs qui, pareil, est égal à sa surah là. Et là, c'est un rappel sûr et certain qui s'assura là, mais déjà qu'on lit sa baille. Oui, ou déjà qu'on lit. Comment ou qu'on lit? Ou qu'on lit là-haut? Ou qu'on lit sujet qui Allah Ta'ala peut adresser afin qu'il, quand nous guettez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mentionne sa surah là comme Ummul Qur'an, maman de Qur'an. Sa surah là l'iconique comme la mère de Coran. Veut dire, il y a tout là-dedans. Mais s'il y a tout, minimum 17 fois par jour, je lis. Mais seulement, je ne connais pas qui est là-dedans, qui Allah peut dire moi, qui peut causer. Qui est grave, ça, hein? Quelque chose pour là, ou pas ressenti ou un petit peu zané, honté. Qui, vraiment, ça, hein? Tous les jours, je écoute khutba, tous les jours, je fais namaz, tous les jours, je écoute Coran. Mais sur la Fatiha là, qui est là comme ça là-dedans? Quand il commence même, il y a différents noms qui Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionné. À part qu'il y a Ummul Qur'an, li sab'u mathani, à part qu'il y a sab'u mathani, li alhamd. Mais qui est quelque chose qui est important comme haladan? D'ailleurs, il commence même, chers frères et sœurs, par alhamdu lillahi rabbil alamin. Nous dire parfois, nous croyons dans Allah. Nous amène l'iman de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment nous amène l'iman de Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être si je me donne 10 secondes pour dire oh, bye, mais comment nous amène l'iman en Allah? Ou maïe? Comment tu amènes l'iman dans Allah? Si vos enfants posent cette question là, mais garçon, amène l'iman dans Allah. Réfléchis. Comment tu amènes l'iman dans Allah? Jamais ça mine de la tête, qui fait? Parce que tu as grandi dans une famille musulmane. Tu as grandi autour de toi musulman. Comment tu amènes l'iman dans Allah? Tu amènes l'iman dans Allah, dans ce l'unicité, Uluhiyya, dans ce Rububiyya, qu'il y aime créateur, et tu amènes l'iman dans Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala, liyena ban nom et ban attribut. Ça m'appelle Asma wa Sifat. Et un parmi les noms qui Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le premier ayat là-même. Alhamdulillahi. Lillahi. Tout louange, tout éloge pour Allah. Mais pour Allah, là, qui veut dire? Il veut dire pas associé, nanié avec lui. Il veut dire Allah ta'ala pas accepté aucune action. Si tu associes avec lui, ou bien si tu peux demander avec lui, en même temps tu peux adorer un autre. Ou bien quelque chose qui te peut demander, pas pour faire Allah Ta'ala plaisir, mais pour montrer les yeux du monde. Action là, est invalide. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand nous pouvons faire éloge un dimoun, c'est faudrait qu'il me compte en ligne, il me fait une faveur pour moi. Je peux remercier mon maman, je peux remercier mon papa, parce qu'il est de moi, mais on sait boire. Il envoie moi par cette éducation. Je peux faire ce hélos. Mais Alhamdulillah, Allah, quand tu es bien en bonne santé, tu es un bon maman, tu es un bon papa. Mais une créature qui ne crée où? Si Zis enlève sa vue là, sa regard là, si Zis enlève un pied qui n'est pas capable de marcher, qui est paralysé ou paralysé pour faire bonne action? Et sa première phrase là, peut dire. Tout éloge, tout louange pour toi, seul, oh Allah, qui te était, tu es Rab de ban l'univers. Et nous joignons dans sa première ayat là encore, non simplement un parmi ban nom, mais aussi parmi ban qualité qu'appelle Rab. Un qui subvenir, qui donne tout ban quelque chose. Et quand nous guettons la deuxième ayat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tous les deux, les parmi ban attributs qui Allah a, veut dire qu'il y a pitié, la chagrin, les pardonner,
Et ça aussi, il trouve parmi les noms qui Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a trois quelque chose qui est impliqué quand nous dit et nous croit dans Allah. Croit dans son unicité, qu'Allah est seul, il tout seul mérite l'adoration. Croit qu'Allah tout seul, qui le créateur, il fin crée tout. Et croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut, zis à lui seulement. Un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: والذي نفسي بيدي ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن. Et puis cause concernant sa sourate Fatiha là, pas ne descend aucun ban les autres livres, qu'il soit Injil, qu'il soit Taurat, qu'il soit Furqan. Mais zis dans le Coran qu'il fin descend, et zis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fin gagne sa sourate Fatiha. Zis pour comprendre encore valait sa sourate là. Peut-être on peut prendre un petit peu à la légère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: بينما جبريل قاعد عند النبي. Écoute ça, chers frères et sœurs. Quand Jibril عليه السلام écoute le prophète, ensemble avec le prophète, سمع نقيضا. Zut fintan, un نقيض, c'est un, comme si dirait, la porte qui peut ouvrir. Quand on ouvre la porte, parfois il fait ban son. Nintan en la porte peut ouvrir, min فوقه, en haut, là-haut. Et ils sont en train de faire ouvrir sa houe. Ça sonne là, ça la porte qui peut ouvrir là. Fin fait, il lève sur la tête pour guetter. Faqala, là, Jibril peut dire: هذا باب من السماء فتحت اليوم. Peut dire avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ça c'est un la porte dans les ciels. Et ça nous fait ithbat, nous amène iman en tant qu'un mu'min qui dans les ciels est dans la porte. D'ailleurs, même hadith encore rapporté dans l'autre hadith concernant la porte, quand on peut prendre rouh, dimoun la peut monter, pour une bonne ange qui gardien contre la porte, pour dire: hé, hey, côte puis aller avec ça, bon, pas faire rouh là là. Pour dire: un tel, ça, mais montez vite, montez vite. Pareil, un mauvais dimoun sur rouh, pour dire: écoute, hey, puis aller avec ça, on peut sentir le dire. Pour dire: précipitez, allez, qu'est-ce qui vous fait avec ça? Donc, dans les ciels, il y a la porte. Une bonne ange qui gardien la porte. Ça, la porte là, fait nous ouvrir là-haut. Jamais ça la porte là fin déjà ouvert dans le passé, sauf Astel là l'ipé ouvert. Fanazala minhu malak, un ange qui peut descendre à travers ça la porte là. Faqala Jibril, hadha malak. Jibril dit: ça c'est un ange. Nazala ila al-ardi lam yanzil qatt illa al-yawm. Il dit: ça c'est un ange qui jamais l'in descend pour venir la terre, excepté azodi. Nous aurait qu'il est nous get film là. Jibril, puis assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je te fais une la porte ouverte. Je te lève la tête, c'est en haut dans les ciels qui la porte est ouverte. Jibril dit: ça c'est une la porte qui est ouverte. Jamais fin ouverte dans le passé. Un ange qui peut descendre, peut sortir, peut venir par la porte là. Sa ange là, jamais fin descendre, excepté qu'ils ont dit là, il peut venir. Fasallama. Il fait salam, ange là. Waqala. Et on a dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Abshir binourain outitahuma wa lam yu'tahuma nabiyun qablak. Signification hadith: on a dit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: prends bonne nouvelle, good news, prends bonne nouvelle, te fin gain deux lumières, nous donne-toi deux lumières qui jamais. Dans le passé, aucun prophète n'a gagné. Qui de lumière qui t'a gagné? C'est Fatiha til Kitab, Surah Fatiha. Surah Fatiha qui nous lit 17 fois par jour, là, sa Surah-là. Surah Fatiha, si nous ne pas lire, elle n'a pas compté. Oui, sa Surah-là, ça. Valeur sa Surah-là, un apôtre qui jamais fin ouvert, dit ouvert. Un ange qui jamais fin descend, il descend, peut venir, peut donner bonne nouvelle à le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Là, peut-être, aux consciences capables, reprochent ou dire: eh non, il n'arrive là vraiment. Laisse-moi faire un petit leçon, moi prendre un petit peu plus. Qui chose l'importance il y a dans Surah al-Fatiha? Pour qui en la porte jamais fin ouvert, en jamais fin descendre dans la terre, fin descendre, fin amène ça à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et comme ça même, chers frères et sœurs, valeur surat al-Fatiha les remplit encore quand un dimon les pour lire sa surah-là et les pour connaître qui Allah subhanahu wa ta'ala peut cause avec lui dans sa surah-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ألا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في حديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كوني كونسينا ان حديث كي كوني كم ان حديث كي تريز امبورتان كونسينا الصلاة دان نماز دان قرآن صورة الفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وفين ديفيز الصلاة ici Il veut dire surat al-Fatiha en deux. La moitié pour moi, la moitié pour mon serviteur. Quand mon serviteur peut lire dans la main, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah Ta'ala répondit Athna alayya abdi. Et quand mon serviteur peut dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Omidin, etc., il fait un récit sur là, chers frères et sœurs, pour celui qui voulait dire bien pour lui, et un dialogue qui déroulait entre vous et Allah. Jusqu'à qu'il arrive. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin jusqu'à finition ayat là, ça c'est une supplication. Et là nous trouve trois catégories d'imoun qui est dans ça quelques ayat là. Un premier c'est que Allah subhanahu wa ta'ala in fait faveur sirata alladhina an'amta alayhim. Deuxième parmi c'est que ghayril maghdoub pas ban kin égaré et que troisième c'est ban dallin ban kin égaré tel comme ban nasara ban yahoud. Mais besoin avec Allah subhanahu wa ta'ala pour pas les nous vin parmi sa ban catégorie qui maghdoub alayhim ban yahoud et ban dallin c'est ban nasara. Et quand vous êtes un dans l'autre d'après signification veut dire en l'un là li adou Allah au jahalat li pas get ce qui est dans le Coran, li pas get ce qui est dans le hadith, li suivent sous passion. Le tlala, il y a connaissance, mais c'est mal, il n'y a pas connaissance, ça met en pratique. Combien de connaissances? Combien de khutbah on écoute? Combien de juma on assise on écoute? Combien de homi on homi là-dedans? Attention, trois catégories qu'il fait mentionner dans Surah Fatiha. Un qui Allah Ta'ala il fait faveur aux autres. Deuxième, ban qui collé Allah aux autres. Et troisième, ban qui égaré. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala doit pas les snouvin parmi ban qui égaré, ni parmi ban qui collé aux autres. Et quand nous guettons ban qui gagne faveur Allah subhanahu wa ta'ala, là ici, insan pas pour finir à compter qui quand c'est faveur que Allah subhanahu wa ta'ala les vieille le Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Je veux compter quand c'est faveur que Allah subhanahu wa ta'ala les vieille le dimoun, les donne dimoun, pas pour finir à compter. Et pour ça, nous trouvons dimoun là, là aussi, il n'a aucune gratitude, aucun remerciement. La cause ça, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'attrape un sahabi qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal Sulami. Il dit Ya Mu'adh, Wallahi, inni uhibbuk ou la uhibbuk. Et Mu'adh, certainement, me compte en toi. Il dit Et Mu'adh, n'a pas quitté sa doa-là avant qu'il te termine namaz, veut dire avant qu'il te fasse salam. Jamais tu quittes sa doa-là. Qui doa ça? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi pour penser-toi, pour remercier-toi et pour faire ton ibadat bien. Ou pensez pas ou capable de remercier Allah. Ou pensez pas ou capable et n'a tout ça l'énergie là ou bien tout ça l'étant là pour remercier Allah. Non. Sa dunya là envahie d'imoun. Sa dunya là li attaque ou chers frères et sœurs. Ou besoin, demande sa doa là. Allahumma a'inni, oh Allah, aide-moi, mon besoin t'aide, mon misère, mon pas pour capable faire rien, sauf que t'aide, ala dhikrika, pour pense-toi, wa shukrika, pour remercier-toi, parce qu'il te donne moi beaucoup de faveur, l'âme, les pieds, les yeux, famille, enfants, tout.
وحسن عبادتك et pour faire tes ibadats bien, pas pour faire tes ibadats attention pour une pomme iban qui négare, pas pour faire tes ibadats attention pour une pomme iban qui colle à l'autre, mais pour faire tes ibadats pour une pomme iban qui te donne de faveur au Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة